C'est comment, non? Tu marches encore avec ta copine qui est mince, non? Oui, et qui est comment, c'est mon ami. Attends, tu es ta copine? C'est mon ami. C'est ma copine. Est-ce que j'ai une copine? C'est la seule copine que j'ai. Dorette. Quoi? Et qui? Et tu es que ta copine ne m'inspire pas, non? Je ne l'aime pas du tout. C'est pas une bonne fille, franchement. Il faut arrêter ton amitié avec elle. Et tu as dit ça. Eh ben, une bonne vie, t'as une chèque. Tu es en train de juger les gens. Mon ami, pardon. Mais pas deux amis. En tout cas, Dorette, quand ça va crier entre vous, ne viens pas chez moi pleurer. Pardon. Je viens d'avoir souvent pleuré chez toi. Ok, c'est bien comme ça la bouche pour répondre. Tu es une femme, non? Et si une femme, tu es une femme, mais pas là, tu me réponds. Moi, t'attends. Même pas un petit grain de respect. Ok. Mon père nous disait toujours à ta mère et moi que dans la vie, s'il n'y a pas d'amis, ton seul ami doit être ta soeur, ton frère, ta mère, ton père. Voilà tes amis là-bas. Pas les inconnus. Tu peux t'accrocher sur une inconnue parce que moi, ta tante était pâle. Tu me réponds. Sans problème. Ouais, ça va, là, j'ai compris. Mais pas compris. Tu fais ce comme c'était, tu étais seulement journaliste. Je suis venue même d'abord ici pour te rendre visite. Je ne suis même pas venue pour les problèmes. Ok. Tu me fais un même travail ici, comme si je n'ai pas travaillé. Attends, peut-être que tu es venue me rendre visite, c'est faire quoi? Tu m'as venu travailler, c'est venu faire quoi? Tu viens, tu mets ta soin, moi, pour pas tu manges, non? Tu t'abonnes. Quand je venais pour te regarder, comme tu. Comme ça faisait longtemps là. Il y a même mes habits trempés là, par là. Pourquoi tu m'aides? Quoi? Tu es ici pour laver tes gros cabalas. Pardon, mais tant que père, parce que tu es ma tante, que tu veux faire des choses comme ça là. Ok. Faut pas abuser. Ma femme que j'ai lavé sans cabesson. Viens, je suis là, maman. Je suis là, tranquille. Au calme. Et toi? Ah, ça va? Je me vois en faisant du souris sur la tête. Ça va, je suis là. Bah, je la voisine, je la vois très contente. Maman, tu es contente de dire quoi? Top, c'est mon gars, non? Il m'a promis là qu'on devait faire un petit voyage. Eh ouais, maman. Donc, on doit partir du côté de Bois là pour un petit week-end. Voilà. Maman, les enfants bénis de Dieu. C'est bien, maman. Ah, même hier en rentrant du travail là, il m'a gardé cette petite gloire, un petit cadeau. L'amour est bien. C'est trop bien. Et toi alors, c'est comment alors avec non, ta relation? Moi je suis plus en couple, si tu ignores ça, moi je suis plus en couple. Ah, je congratulations. Te jure, il faut essayer. Parce qu'il faut te remettre en couple. Oui, c'est facile là aussi, on met en couple. Si déjà tu marches comme ça, tu vois seulement les gars là, ils sont veillés sur la dérive, ils attendent que nous tu passes. Là, ce n'est pas facile. Ok. Mais il faut que c'est bien, c'est bien pour toi. Je suis très contente. Très contente. C'est toi qui as choisi de partir là-bas, toi là. Oui, c'est moi qui ai choisi de partir. Il est ok. Comme ça faisait longtemps et moi je ne suis jamais partie là-bas. Donc il m'a demandé où est-ce que je voulais partir. D'accord, aussi je vais un peu visiter. Non, tu as proposé Douala, tu as dit que tu veux partir à Douala. Oui. Tu veux que je propose quoi? Non, c'est juste une question, c'est pas possible. Oui, si je veux du Douala, moi je veux partir, moi j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller à Douala, visiter un peu, avec mon chéri. Ok, on t'a l'air contente de toi, maman. Okay. On va partir la semaine prochaine. La semaine prochaine? Le week-end prochain. D'accord. Ok, j'ai compris.
sans problème. À la prochaine. Salut Alice, comment? Ça va et toi? Je suis là, en fait, de faire cette réservation là. Quelle réservation? Comment tu voyages à toi là? Elle t'a dit. Elle m'a dit. Vraiment, je ne comprends pas le problème avec la fille. Alors, elle ne peut pas une raison comme ça qu'elle ferme sa bouche. Elle ferme un peu sa bouche. Elle ferme sa bouche pourquoi? Je suis son amie, elle ferme sa bouche pourquoi? Moi, elle exagère. On a fait un projet là, bon, c'est elle qui a proposé qu'on parte à Douala. Moi, je ne voudrais pas aller à Douala. Mais elle a proposé donc, je vais tout faire pour aller là-bas. Ok. Maintenant, en fait, si je suis venue ici, c'est parce que je veux comprendre. Depuis que je fais des trucs, tu ne me vois pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je fais des trucs comment, Alice? Depuis que je fais des yeux, tu ne me vois pas. Des yeux de comment? Je ne comprends pas ce que tu dis. Déjà, je vais être avec toi. Non, tu ne peux pas dire les trucs comme ça. Allez, je ne peux pas dire les trucs comme ça. Non, attends. Vraiment, je vais te dire quelque chose. J'ai vu. Tu te fais comme un gamin. Je ne fais pas comme un gamin. Je ne fais pas comme un gamin. Je ne fais pas comme un gamin. Je vois ce que tu fais depuis, mais je me dis que nous sommes déjà comme une famille. Dorette, c'est ta soeur. Dorette, ce n'est pas ma soeur. C'est ta meilleure amie, non? Bon, mais c'est ta meilleure amie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi je veux faire quoi? On t'a séquencé en fait pour elle. Non, mais je me dis qu'il faudrait qu'on tombe dehors, c'est pas avec toi. Vous êtes trop proche, non, non, non. Nous ne sommes pas proches. Non, vous êtes. Maintenant, vous êtes proche comment? Nous sommes proches. Non, non, non. Et moi, non. Je suis prête à tout. Non, non, non. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, je n'ai pas obligé de faire ça. Je suis obligé. Non, non, pourquoi? Si ça peut te convaincre. Non, ça ne peut pas me convaincre. Ça ne peut pas me convaincre. Non, s'il te plaît. Non, 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 non. Arrête un peu. Arrête de faire comme une gamine. Alice! Bébé, vraiment, non, c'est pas. Je n'ai rien fait, je te mens pas. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je t'assure. Je peux savoir ce que tu es en train de faire là? Alice, donc moi je te considère comme mon âme, comme ma soeur, ma copine. C'est toi qui viens me faire ce genre de choses, Alice. Depuis, je veux te dire ça. Depuis, je veux te dire ça. Tu penses que je suis en train de vouloir partir? Tu sais, me parle mal. Oui, mais qu'est-ce que tu crois? Tu passes autant à faire genre, oh, mon petit ami là, il va m'amener à Douala, toi, le week-end et tout. Comme moi, je suis la chèvre de ton voisin. Tu ne gères même pas pour savoir si est-ce que elle peut te dire que je suis en couple, tu me dis que ça va aller. À ce que je sache, c'est pas, je ne suis pas allée t'attacher dans mon village. Tu es qui sait? Peut-être que tu m'as même attaché, vraiment, qui sait? Peut-être que tu m'as attaché, je suis au courant. Toi seul, tu sais comment tu gères ta vie, Alice. Je sais comment je gère ma vie. Je savais pas que toi qui pouvais me faire ça. Alice, toi aussi, c'est quoi, non? Je t'ai dit, sors, non? Allons, sors, mets-toi dehors. Je ne vais pas passer ma vie, je ne vais pas passer, je vais. Sors. Laisse-moi. Et tu me le voulais, Alice. Sors. Laisse-moi là-bas. Sauvage. N'importe quoi. C'est ça dont les trucs comme ça, là. Non, laisse-moi, ne me fais pas les histoires que tu vas commencer à faire, là. Tous les jours, Alice, tout ce que je te dis, tu portes, tu vas lui dire. Tout ce qu'on fait ici, là, tu portes, tu vas lui dire. Oui, je ne vais pas lui dire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comment? Non, c'est ma faute. Donc, tu viens, tu veux que je c'est ma faute maintenant. Tu veux que c'est passé? C'est ma faute. C'est ma faute. C'est la faute de qui? On est là, on sort. Ta copine est là. On fait ceci, ta copine est déjà là. En tout cas, elle est venue là où tu me jettes les mots de tête. Je n'ai même pas envie de gros bavard. Et tu suis là. Je crois que ton voyage, tu vas aller là-bas seul. Maman, moi, je veux juste partir. Qui va aller? C'est moi partir. Je ne pars pas. Je dis que je pars avec toi. Je ne pars pas. Dorette, c'est quoi? Je veux que tu me vois. Aïe, je ne sais même pas par où je commencer. Mais t'écoute, tu es dépassé. Tu sais ce que tu m'avais dit la dernière fois à propos de mon ami? Ta meilleure amie, non? La plus meilleure des amies. Les gens ne peuvent pas rester chez eux. Tu vas venir ouvrir le portail des gens pour guetter. Imagine un peu ce qui s'est passé. Écoute, maman, parle. Je suis avec mon père.
cette fille avec mon mari. Avec mon mari. Elle était déjà sur le point de se déshabiller, presque nue. Dorette, quand elle était parlée ici, elle t'a dit la main que ses fesses c'est une mauvaise âme. Mais tu m'as dit que quoi? Tu m'as dit que quoi, Dorette? Tu sais que je suis méchante, non? Je déteste ta copine pour rien. Je suis. Ok. Tu as bien trouvé, non? C'est bien que pour toi. J'espère que ton mari a même mis les enfants dans son ventre. Comme ça, votre amitié là, non? Vous devez nous faire les couilles. C'est bien le premier que tu peux dire comme ça, mais que d'après la souffrance, que ça a commencé comment? Mais tu vois, c'est ta meilleure amie, non? Comment vous, tu partages tout avec elle? Pardon, mais je me demandais peut-être quand j'allais venir te dire, te raconter ce qui m'est arrivé, tu allais peut-être me consoler. Mais toi, tu ne fais qu'à me dire, mais tant mieux, non? C'est parce qu'il passe mieux, pas à même pas. Et t'es juste parce que ta copine Alice là, c'est une mauvaise fille, tu as refusé de comprendre. Et t'es con. Les conseils sont pour toi. Elle ne conseille pas des connaisseurs. Tu as compris? Il ne faut pas pleurer. Ne pleure pas. Assume. Maintenant, tu vas me respecter. Quand on te dit que quand une nouvelle personne te parle, sache que la personne a fait la vie avant toi. La personne connaît avant toi. Tu refuses de comprendre. Donne-moi celle-là.